L'infarctus de myocarde est dû le plus souvent à une coronaropathie sous-jacente, cette maladie des artères coronaires, conséquence de l'athérosclérose, qui touche tous les artères et en particulier les artères coronaires. Elle se caractérise sur le plan anatomopathologique par des dépointes humales, faits principalement de cholestérol, les triglycides, la fibrine et les cellules phagocytaires. Ces lésions évoluent au fil du temps, dont la lésion initiale commence sous forme de strie lipidique jusqu'à la formation d'une plaque d'athérome, qui est susceptible de sulfurer, ce qui déclenche le processus de la coagulation, forme un thrombus transmural obstruant complètement l'artère coronaire, et donc une ischémie qui va s'installer et évolue rapidement vers la nécrose cellulaire. Et en fait, j'ai préparé pour vous une vidéo illustrative en 3D de l'infarctus, et on va la voir ensemble tout de suite. C'est parti! Au cours de l'infarctus de myocarde, il y aura une interruption immédiate du sang aux muscles cardiaques, ce qui induit une hypoxie sévère. Quelques minutes, les cellules cardiaques commencent à mourir et ne peuvent pas assurer une contraction adéquate. La cause de cet accident mortel est l'obstruction de l'artère coronaire par un caillot de sang résultant de la plupart des cas de l'athérosclérose, et on l'appelle la coronaropathie. Chez les patients atteints de l'athérosclérose, les lésions vasculaires se développent lentement pendant des décennies avant l'apparition des symptômes. Lorsqu'une plaque se rompt, il y aura une activation de la coagulation qui conduit à la formation d'un thrombus intravasculaire. Ce thrombus est composé de plaques attactivées stabilisées par des filaments de fibrine. Le facteur Stuart, seul facteur commun entre la voie intrinsèque et extrinsèque de la coagulation, son association avec la proaxylyrine forme le complexe activateur de la prothrombine qui catalyse la transformation de la prothrombine en thrombine, dont un seul facteur peut catalyser l'activation de 1000 molécules de prothrombine. Ensuite, la thrombine clive le fibrinogène qui est un facteur de coagulation soluble en fibrine insoluble. Cette dernière entraîne ainsi une activation complémentaire des plaquettes via les récepteurs protease activated receptor qui augmente l'agrégation plaquettaire. Les molécules de fibrine se polymérisent de façon à former de longs filaments et forment la charpente du caillot emprisonnant son sein, les éléments figurés du sang. En raison de l'importance des effets de la thrombine sur les plaquettes et la fibrine, le principe thérapeutique spécifique pour l'inhibition de la formation du caillot artériel, la protection vasculaire par la réduction de la génération de la thrombine, est une approche prometteuse actuellement sous investigation pour la prévention d'infarctus des myocardes, des accidents vasculaires cérébraux et de la mortalité cardiovasculaire chez les patients atteints de la coronaropathie.